ayez accepté, mesdames, ces quelques mots comme un hommage à votre gente que j'admire, qui crée en chaque homme un orage. Au cinéma ou dans la vie, vous êtes les plus beaux personnages, et sans le vouloir, vous tenez nos cœurs et nos pensées en otage. Veuillez accepter, mesdames, cette déclaration comme une tentative honnête de réparation face au profond machisme de nos coutumes, de nos cultures, dans le grand livre des humains, place au chapitre de la rupture. Vous êtes infiniment plus subtile, plus élégante et plus classe que la gente masculine qui parle fort, prend toute la place. Et si j'apprécie des deux yeux quand tu balances ton corps, j'applaudis aussi des deux mains quand tu balances ton porc. Derrière chaque homme important se cache une femme qui l'inspire. Derrière chaque grand être humain précède une mère qui respire. La femme est l'avenir de l'homme, écrivait le poète. Eh bien l'avenir s'est installé, et depuis belle lurette. Cette petite intro, car l'avenir appartient à celle qu'on aime trop. Et pour ne pas être taxé de premier degré d'anthologie, veuillez accepter, mesdames, cette délicate démagogie.